Ce soir, séance sur la défense. Ma question première, c'est pour en défense, pour être efficace, qu'est-ce qu'on fait? Construire une ligne. Avancer et plaquer. Ouais. Monter et plaquer. D'accord. Donc on va commencer par ça ce soir. Vous mettre en route très vite parce qu'il fait froid. Et on va essayer de mettre du rythme sur les jeux. Ok les garçons? Allez, c'est parti. Allez, on commence. C'est parti. Restez en face, restez en face. Stop! On va bloquer assez rapidement. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à les suivre? Il n'y a pas de leader, donc il n'y a pas de communication. Donc collectivement, on recule, à droite, décale, on se parle. C'est bon? On repasse la même chose, c'est toi qui vas commander l'attaque. Et quand tu veux. À droite, à droite, à droite. À gauche. Derrière. Restez bien ensemble. Gauche. Gardez-moi bien la ligne, pensez à communiquer. Je. Hey, je. Juste lui, c'est bon. Un qui est monté tout seul, il casse la ligne. Bon, souvent, ça part d'un bon sentiment. On a l'envie d'aller plaquer, ça c'est très bien. Par contre, on ne joue pas tout seul. Et si on monte tout seul, on fragilise l'équipe. Pour l'intérieur, je. Pep. Montez à deux sur le même, là. Allez, allez, vite, vite, ballon. Regarde, regarde, regarde. Attention, le plot, prêt, regardez. Alors, les gars, pour monter, il faut avoir un appui avancé. C'est comme un départ de sprint. Hein. Je. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, très bien. Allez, prêt. Là, je. Vite, 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 un premier attaquant là. Regardez en face, c'est pas le ballon qu'il faut regarder. Je. Ouais, bien, bien, bien. Attentif, attentif, regardez en face. Prêt à monter. C'est en face que ça se passe. Je. Bon, 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 bon. Je. Top. Allez. Et attention, allez, 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 ballon. Top. Là, vigilant, vigilant, vigilant. Non, va pas trop loin, va pas trop loin. Restez pour l'intérieur. Ton vis-à-vis, c'est en face que ça se passe. Je. Allez. Ouais, c'est bien ça, jeune homme. Top. Allez, allez. Je, les garçons. Je. Allez. Ah, c'est, là, il va attaquer, là. Je. Ok, vous savez pas glisser. Ok. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire glisser en défense? Non, hein? C'est-à-dire bah, quand il fait la passe, c'est possible. Quand il fait la passe, quand il a plus la balle, s'ils sont trois, on passe. Et ben mettez-vous trois. Mettez-vous trois. Serre. On est deux. D'accord? Donc là, logiquement, on va être embêté. On a un espace. Imaginez que d'habitude, on fabrique un mur. On fait le mur en miroir de l'adversaire. Là, on ne fabrique pas un mur. On a un rideau. Vous savez, un rideau là. Et en fait, il faut qu'on cache le soleil. C'est-à-dire qu'en fait, le rideau, on va devoir le faire se déplacer. A votre avis, qui va devoir l'aider à se déplacer là, lui? Ballon. Enfin, toi. Pourquoi? Parce que c'est toi qui va blesser le premier joueur. Lui, il a peur de quoi? Il a peur de se faire prendre à l'intérieur. Prêt? Allez, vas-y, glisse, 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 glisse encore. Ok, c'est bon. Regardez où ils sont, regardez où ils sont. De l'intérieur vers l'extérieur, prêt, jeu. Allez, fais pousser. Eh oui, il est battu. Ouais, bien récupéré, c'est pas mal. Et puis à partir du troisième, là, tu vas mettre ton appui côté ruck avancé. Oui, c'est ça. Et tu vas pointer du doigt le premier attaquant. Vous êtes prêts? Donc vous allez vous faire des passes, vous vous mélangez. Si j'annonce 1, c'est l'équipe 1 qui vient alimenter là. Prêt? 3! Serre, je peux encore attaquer là. Allez. Numéro 2, en défense. 1, en attaque. Attends. Quand je dis jeu. À 3, porte-toi. Jeu. Ok, c'est bon. Allez, on retourne la balle, les garçons, en trottinant. Allez.
1, 3, Mathieu. Allez, prêt, regardez en face les garçons, regardez en face. Pointez l'épaule intérieure, prêt à monter, allez. Faut le prendre. Top, ok, bien vu, allez. C'est cette zone. Parce que si j'arrive, qu'il n'y a personne que je traverse, vous allez glisser sur quoi? Une fois que vous êtes tronché, vous êtes mort. Donc, on me serre le ras du roc et ensuite on va se déplacer. Allez, c'est parti. Par contre, on monte ensemble. Ok, on me défend roc bleu, roc bleu, roc bleu. On recule rapidement, on recule rapidement, on recule. Stop. Donc, de suite, on alimente dans le sens. 1, 1, 2, 2, et après, on fait la ligne. La priorité, c'est le bord du roc. Stop, bougez plus, bougez plus. Donc, pied, hop, hop, point règlement. Pied du dernier, hors jeu, pied du dernier, hors jeu, hors jeu, hors jeu, hors jeu. 3 points, merci. Allez, jeu. Montez ensemble. Ok, pris, pris, qui attaque. Ah, très bien, ça y est, on a compris, on va alimenter les coins. On regarde. Après, vous êtes plus nombreux, donc on prend un peu plus de place. Mais au moins, on est au bon endroit au bon moment. Ça me plaît. Allez. Déplace encore. Faut monter ensemble. Ok, allez. En place, on recommence. Attends, attends, avant de jouer. Qui a qui? Oh, qui a qui? Tu prends qui? Tu prends qui? Annoncez-vous. On défendra sur le roc bleu. Roc bleu, bleu. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Là, ça ressemble à une ligne. Là, c'est pas mal. Par contre, attention, décollez-vous un peu quand même. Quand tu veux, je... montez ensemble, bien, pris, 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 passe au sol, passe au sol. Bien ça, très bien. Encore, passe au sol. Formez la ligne, regardez. Eh, pris, c'est bon. C'est bon. Donc on alimente quoi en premier? La priorité c'est quoi? Le bord du roc. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On s'écarte. Et le bord du roc, il se met où? Derrière les pieds. Attention au respect de la règle. Monter ensemble. Monter ensemble. Commander, c'est-à-dire communiquer. Il y en a qui commandent, mais on commande aussi pourquoi? Uniquement pour monter, on commande pour communiquer. Pour justement pas faire de faux, parce que si on monte tout seul, c'est pas plus fort. Ouais. Et surtout, quand est-ce qu'on a intérêt à fortement communiquer? C'est quand on est en sous-nombre, quand on est moins que l'adversaire. Ok? Messieurs, c'était pas trop mal. Merci de votre investissement. Le Stade Phocéen, c'est le renouveau, si on veut, des clubs marseillais. C'est un club qui a été recréé en 2012, qui est reparti sur des bases complètement nouvelles. C'est un club qui se reconstruit, qui aujourd'hui a 250 licenciés. On a des catégories de jeunes en école de rugby qui fonctionnent très très bien, avec des éducateurs diplômés et qui le sont de plus en plus. Notre club a été labellisé l'année dernière, ce qui prouve qu'on ne se trompe pas, on est sur le bon chemin. Maintenant, on ne se repose pas sur nos lauriers et le partenariat avec Provence Rugby, justement, nous permet ça, nous permet de parfaire nos compétences, notre formation. Pour apprendre, il faut aussi savoir s'ouvrir à tous les exercices et toutes les compétences qui nous sont proposées. J'ai des éducateurs qui ont pas forcément l'expérience que sont venus nous proposer ce soir Nico et Cédric. Et donc, bien sûr, sur le terrain, ce sera maintenant à eux de le mettre en application, de servir des idées, de les ajuster en fonction du groupe et du niveau proposé. Mais il n'y a pas de raison que toutes les idées sont bonnes et il n'y a pas de raison que ça ne serve pas pour la suite. Un moment d'échange, non, mais ouais, sort du cadre, on va gagner du temps. Parce que là, si j'étais à côté, c'est comme une centaine de panier, on va pas s'en sortir. Ben, si je réponds que tu étais là à côté. Ouais. Il a raison, le monsieur. Je suis d'accord avec lui. Il a dit vrai. Qui n'en veut? Francis 15 qui n'en veut. Pareil que Nico. Tout pareil.